Alors là, on va accueillir des trompettes. Alors, il n'y a pas de trompettes à la main, mais il y a des trompettes à l'école de musique. Alors, ça s'appelle Trompette Blues. Donc, on est allé frapper à la porte de Joan Buys, le prof de trompette. On a dit, tiens, on fera bien un truc avec les trompettes, etc. Et, lui est venu nous voir, il a dit, on va même mettre des guitares avec les trompettistes. On a dit, bah super. Donc, à l'école de musique, à la maison de musique, c'est bien, c'est que les portes elles sont ouvertes. Alors, je vous invite déjà le 20 juin, puisqu'il y aura un concert aussi avec, autour des morceaux des Beatles, avec aussi des classes de l'école de musique. Donc, il y aura des cordes, des cuivres mélangés aux guitares électriques et aux batteries. Et ça, youpi! Donc, ça, c'est le 20 juin à 15h du matin ou 3h de l'après-midi, comme vous voulez, pour l'occasion de la fête de la musique. Donc, par contre, tu vas te présenter, tu joues de la trompette et tu t'appelles Comerio. Ah, rien que ça. Et tu joues de la trompette et tu t'appelles Lugitane. Vas-y donc. Trompette blues, s'il vous plaît. Alors c'est la guitare acoustique, alors tendez l'oreille.
Alors le titre, c'est une chanson de Louane. Ça s'appelle Le jour 1. Qui adorait les Beatles, ouais. Ouais, qui adorait les Beatles, ouais, il faut savoir. Enfin, qui adore toujours, d'ailleurs. Oui, oui. Bon, on va essayer de mettre le micro sur les guitares. Attention, c'est un peu la bonne franquette, c'est comme dans votre salon. Thank you.
Sylvain, Stéphane, Arthur, Antoine. Et le tout seigneur d'Alexis. En fait, je t'aime. Alors, donc, on va faire toujours un morceau des Beatles. Là, il c'est Hey Bulldog. Alors, pour vous interpréter ce morceau, Louis et Clem. Oh. Que vous avez que vous ça. Ivan, à la batterie. Paola à la basse. Isabelle. Et Clara au clavier. Donc voilà, et normalement il y a Alexis à la guitare qui est parti chercher sa guitare parce que le deuxième projet, je ne sais plus de l'Emma. Donc Maxime, l'autre membre de guitare de l'Emma, est parti avec la guitare d'Alexis, donc il est parti la chercher dans les coulisses. Donc je comble pour le temps qui aille. Donc, désolé pour ce petit laps de temps, donc je dois meubler. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que pour rire comme moi en général. Sinon ça va. Voilà. Voici donc la guitare d'Alexis était retrouvée. Oh, c'est des vedettes des fois. Sur l'album Sgt. Pepper,
1967, ce morceau. A Day in the Life. Donc au clavier, on a Théo. Alors il y a deux guitares, puisqu'il y a Victor, Lisanne, Marius, Emma et Gonzalez. À la basse, notre prof de basse préféré, c'est Olivier Jacquine. À la batterie, on a Augustin. Narciso au chant. Un petit problème de branchement de guitare. J'ai oublié de dire Clara au clavier. Donc, grande performance, puisque Olivier Jacqueline va prêter sa basse à Sébastien De Waal, notre prof de batterie qui va jouer de la basse sur ce morceau. One, two, three.
Esther Cizeau au chant, s'il vous plaît. Victor Lizan, Carlos Eva et Gonzague, en du guitare. Sébastien à la basse et Augustin à la batterie. Donc, le guitare. Thank you. Voici donc maintenant. Guerre. Bon, j'accueille donc Tom Cabrol, Jeanne et Clément, Marie, Paul, Olivia, Patrick et Christine pour le chant. Après la mort de John Lennon. Ça s'appelle Free as a Bird. On a retrouvé des maquettes à la Vérode, au fameux studio à Vérode, et ils ont décidé de faire un album qui s'appelle Anthologie de reproduire ce morceau. Donc malheureusement, John Lennon, j'ai jamais entendu cette version. Donc là, il y a du monde parce qu'il y a même 100% vocal qui ça. Pour le coup, ce sera pas 100% vocal puisque. Il y a des musiciens avec eux. Alors, au clavier, on a Gaston qui est là. Je vous appelle. La guitare, Paul, s'il vous plaît. À la batterie, c'est son premier concert. Gabriel. Ça, c'est le sec. C'est son deuxième concert. Excusez-moi. Pardon, comment il est.
Et pour tous les gens qui ont un groupe du 100% local. Voilà.